هاد العطلة بغينا نمشيو لفاس شحال بيني وبينها وبين الفطور بالبيض والخليع الفاسيين نديرو شي دويرة في المدينة والعراسي باش نوري لوليداتي الأصالة والتاريخ ديال بلادهم وناكلو النوكا ونتقداو شي بليغات الصم الماما وبغينا نمشيو نكتشفو إفران وندوزو شي نهار كان في البارك ناسيونال وما نجيو حتى نتصورو مع السبع من بعد ضروري نمشي لأزرو باش نمشيو لمتحف الأرز ونشوفو الطبيعة اللي قدرو وليداتي يلعبو فيها وبغيت نمشي للحاجب باش ندوزو نهار في الحديقة ديال عين الذهبة باش يعيشو نفس الذكريات اللي عشت أنا ملي كنت صغيرة هاد العطلة كلشي غادي يشوف كلشي مع العروض الاستثنائية ديال المكتب الوطني للسكك الحديدية مع المكتب الوطني المغربي للسياحة رحلة الأطلس ابتداء من 49 درهم والبراق ابتداء من 89 درهم في جميع الاتجاهات إيوا نتلاقاو في بلادنا Je savais qu'en 2024, ça allait être plus dur pour me qualifier parce qu'il fallait que je fasse top 5 pour aller au JO. Et je sais qu'il y avait tous les meilleurs, donc ça allait être très difficile. Mais j'y ai cru jusqu'à la fin. Je me suis qualifié aussi sur le WCT cette année, donc je suis parti à Hawaï. J'ai commencé à Hawaï la saison d'une manière assez positive. Donc j'avais un momentum et j'avais une confiance en moi et je me suis dit, bon là c'est le moment. C'est le moment que tu attends depuis tout petit, c'est ça. Tu viens de commencer ton année sur le CT. Là, tu as Puerto Rico. Vas-y, donne tout. Donne tout et sans regret. Et je perds au deuxième ou troisième tour où je vais au repêchage. Et en fait, quand tu vas au repêchage dans ces compétitions, le trajet, il est deux fois plus long. Donc là, je me rappelle, je suis rentré à la maison après avoir perdu. Et je me suis dit, bon, là, il faut soit tu te laisses abattre et t'abandonnes, soit tu reset et tu oublies. Tu oublies ça et c'est une nouvelle compétition qui commence demain. Tu as encore une deuxième chance. Heureusement, il y a des repêchages. Vas-y. Et j'ai passé 10 séries via les repêchages jusqu'à finir vice-champion du monde. Moi, je l'ai toujours dit, quand tu commences, enfin en tout cas pour moi, quand tu commences un sport et tu te donnes à fond dans ce sport-là, c'est pour être le meilleur et essayer de battre les meilleurs du monde. Ou sinon... Je vois pas, enfin voilà, moi c'est ma vision, donc je pense carrément, j'en suis sûr même que je peux battre les meilleurs, donc ça va être difficile, certes, très difficile, il y aura les meilleurs du monde, mais je sais que je peux le faire. Donc j'y vais avec beaucoup de confiance et aussi de l'humilité, carrément, humble, comme j'ai fait toute ma carrière, mais énervé et je vais tout donner, ça c'est sûr. Ouais, ben déjà les conditions vont être complètement différentes. Tokyo, c'était très bonne expérience. Premier JO pour moi, premier JO pour le surf de l'histoire. Donc c'était une expérience incroyable. Après, ça ne s'est pas très bien passé pour moi, mais c'est comme ça, c'est la compétition, ça arrive. Mais ça m'a laissé sur ma faim. Et c'est une raison aussi pour laquelle je voulais absolument me qualifier cette année, c'est parce que c'est à Tahiti, sur la vague de Te Apo. C'est une vague que j'adore énormément et... qui est très dangereuse mais qui est incroyable aussi. Pour moi, c'est la meilleure vague du monde. Donc, j'avais vraiment cette envie profonde de me qualifier pour là. Il fallait que je sois à ces JO-là pour avoir une chance. Et je sais que je peux avoir une chance. Donc là, je reviens de Tahiti. J'ai eu une compétition du WCT qui est exactement au même endroit, à Te Apo, il y a un mois. Et ça s'est bien passé pour moi. Donc voilà, je sais que je peux le faire. Et maintenant, il faut juste le faire. Honnêtement, ça s'est passé super vite. Déjà, je me suis qualifié. Déjà, on a appris que le surf est un sport olympique. Après, boum, je me qualifie. Marocain, première édition, premier Marocain. Waouh, incroyable, fierté énorme. Et la cerise sur le gâteau, on me dit, bon, c'est toi qui vas porter le drapeau. Donc, c'était vraiment, vraiment une expérience de fou. C'était incroyable, très fier. Et voilà, ça, j'oublierai jamais ces moments-là. Malheureusement, cette année, je ne vais pas pouvoir participer à la parade parce que je suis à l'autre bout du monde, mais c'est pour une bonne cause et pour bien me préparer, Inch'Allah, pour tout donner et essayer de ramener une médaille. Ben, Te Apo,
la vague de terre au pot, pour moi, c'est la vague, la meilleure vague du monde. C'est ma préférée et je pense pour beaucoup de surfeurs. C'est une vague qui est très dangereuse, voire peut-être la plus dangereuse, mais qui est la plus parfaite aussi. Donc, c'est vraiment... Il y a ce côté adrénaline. C'est un endroit qui excite beaucoup en tant que surfeur. Et voilà, qui te laisse sur... ça fait peur, mais tu as envie. Donc je trouve ça incroyable qu'il y ait les JO là-bas. Moi, j'étais super heureux quand j'ai entendu que ça allait être là-bas. Et je pense que tous les surfeurs, on est super contents que ça soit à Tahiti. Donc certes, on va être à l'autre bout du monde de Paris, mais au moins, on va être à un endroit que nous, on aime en tant que surfeur. Et j'espère qu'il y a des belles conditions comme ça. On peut montrer au monde qu'est-ce que c'est le sport du surf. Parce que ça va vraiment être du vrai surf. Mon programme, il y a rien de spécifique. C'est pas un programme qui se fait genre 2-3 semaines avant. C'est toutes ces années en fait. Toutes ces années de compétition, tous les échecs, toutes les réussites, toutes les blessures, les comebacks, tout ça, qui m'ont forgé pour un moment comme ça. Cette année aussi, ma première année sur le WCT, j'étais à Tiopo, comme je t'ai dit, il y a un mois. Donc toutes ces étapes-là me préparent pour un événement comme les JO. C'est pas du jour au lendemain. Donc moi, je me sens prêt. Après, voilà, hein, moi, j'aime pas beaucoup parler. Maintenant, j'aime bien le prouver. Donc maintenant, à moi de le prouver. Et je sais que j'ai le support de tous les Marocains depuis des années. D'ailleurs, je remercie tout le monde. Ça me fait énormément de bien. Chaud au cœur, dans les moments difficiles, vous êtes toujours là avec moi. Donc maintenant, à moi de le prouver et essayer de faire mon mieux et essayer de lever le drapeau marocain le plus haut possible, Inch'Allah. العطلة بغينا نمشيو الفاس شحال بيني وبينها وبين الفطور بالبيض والخليع الفاسي نديرو شي دويره في المدينه والعراسي باش نوري لوليداتي الاصاله والتاريخ ديال بلادهم وناكلو النوكا ونتقداو شي بليغات السم الماما وبغينا نمشيو نكتشفو افران وندوزو شي نهار كامل في البارك ناسيونال وما نجيو حتى نتصورو مع السبع من بعد ضروري نمشي لازرو باش نمشيو لمتحف الارز ونشوفو الطبيعه اللي يقدروا وليداتي يلعبوا فيها وبغيت نمشي للحاجب باش ندوزو نهار في الحديقه ديال عين الذهبه باش يعيشوا نفس الذكريات اللي عشت انا ملي كنت صغير هاد العطله كلشي غادي يشوف كلشي مع العروض الاستثنائيه ديال المكتب الوطني للسكك الحديديه مع المكتب الوطني المغربي للسياحه رحلات الاطلس ابتداء من 49 درهم والبراق ابتداء من 89 درهم في جميع الاتجاهات ايوه نتلاقاو في بلادنا